Espèces n'ont pas leur place ici. Si je vous revois en ces lieux, vous mourrez. Ne lui prêtez pas attention. Ce combat est le vôtre, Néphalem. Votre pouvoir est encore plus grand que Tyraël ne l'avait pressenti. On ne peut que l'espérer. Mais pour l'heure, nous devons arrêter Diablo avant qu'il n'atteigne l'Arche de Cristal. Si je n'arrête pas Diablo, il va corrompre l'Arche de Cristal qui trône sur la cime d'argent. Et les cieux seront perdus. Tout mon destin culmine en cet instant. Avec Tyraël, je vais me frayer un chemin jusqu'au sommet et enfin affronter Diablo. Je vais bientôt devoir affronter le Seigneur de la Terreur. Et il nous reste peu de temps. Dis-moi qui tu es. Donc, malgré toute votre éducation, vous continuez à pressentir que je suis plus qu'un simple joaillier? Je ne sais plus que croire. Le monde est rempli de choses que je pensais comprendre avant. N'est-ce pas? Mais il y a quand même une vérité sur laquelle vous pouvez compter. La vérité n'est jamais aussi amusante que la spéculation délirante. Quoi qu'il en soit, quand il sera temps de terrasser Diablo, ne lambinez pas. Nous avons d'autres horizons à explorer, vous et moi. Le joyau de Dirgest est toujours perdu quelque part dans le monde. Tout succombe à la ruine et à la corruption. De tous ces jours, de toutes ces années, je n'ai jamais rien vu de tel. Il ne faut pas perdre espoir, même si tous ces événements sont absolument terribles. Mais pas autant que ça le sera si vous ne terrassez pas Diablo. Alors, tous les joyaux des cieux ou du monde ne représenteraient plus rien. Oh, rien qu'à y penser, j'en pleure. Je suis allée trouver Itéraël, et il m'a aidée à traduire le mystérieux document. Il fut écrit par un ange qui voyait de grandes promesses en l'humanité. Il entreprit d'instruire un groupe de jeunes femmes qui venaient de tuer les démons invoqués par leur maître. Vous voulez dire qu'il s'agissait de vous et vos sœurs ? Exactement. Le prophète que j'ai suivi tant d'années était un ange. Voilà pourquoi Tyraël vous rappelait quelqu'un. Oui. Mais je ne sais pas si le prophète était cet ange que j'ai vu mourir, ou un autre. D'après ce qui est écrit, il opérait dans le secret absolu. Itéraël ignorait tout de ses actes. Alors vous devez trouver une nouvelle voie, sans lui. Vous avez raison.
et j'espère qu'elle ne me séparera jamais de vous.